Salutations, peuple de YouTube. Alors, désolé, mes excuses au nom de toute la MV Production. Nous n'avons pas encore l'ICO, le petit motion design qui s'affiche ici avec le abonne-toi. Et vous savez, la petite souris qui fait paf sur abonné et la cloche, elle se fait cling. Mais dans le doute, abonnez-vous si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné. Pour la simple et bonne raison que qui sait? Qui sait de quoi demain sera fait? Serai-je encore sur Twitch demain? Probablement. Mais ça serait important de rattraper le retard. Hein. Sur YouTube, on est 400 ou 500 000, je sais pas. Mais sur Twitch, on est plus de 800 000. Donc c'est pas normal. Il y a une couille dans le potage. Les chiffres ne sont pas bons. Merci TomTom Expo. Merci Rax qui a dit ça. Merci énormément. Shells Live, incroyable mais vrai. 96 ans, donc 8 siècles. Ça commence à devenir dur, hein, les calculs, mais c'est bon, c'est ça. Nous allons jouer à Chance of Senar. C'est sorti il y a peu. Et ça fait son petit buzz, hein, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on adore les jeux un petit peu qui marquent avec des mécaniques rigolotes. On se gratte un peu le cerveau. Et sur ce jeu, il y a eu des comparaisons avec Obradin, qu'on adore, Return of the Obradin, avec Fez, etc. Des excellents jeux. Chains of Senar, c'est un point and click qui est disponible sur PC et Switch, où nous allons devoir comprendre le monde et les gens qui nous entourent, des gens qui parlent des langues que nous ne comprenons pas. Et donc nous allons devoir essayer d'apprendre des mots au fur et à mesure pour résoudre des énigmes sur le papier, et si c'est bien exécuté, ça a l'air très très drôle. Ce n'est pas sponsorisé, évidemment, je le dis, pour les peines à jouir qui vont nous casser les couilles. Enfin, c'est surtout sur Twitch, hein, c'est pas vous YouTube, vous sur YouTube vous êtes parfait. Non mais non, parce que bon, voilà, quand c'est sponsorisé, maintenant, on le dit tout le temps au début, et puis maintenant, de toute façon, il faudra afficher en gros collaboration commerciale, collabo coco, comme j'aime dire. Voilà. Quoi qu'il en soit, alors je sais pas si la caméra est au bon endroit, on arrangera ça si c'est pas bon. Joueur, le jeu est en français, Cocorico, hein, développé par Undisc, édité par Focus Entertainment. Joueur, emplacement vide, nouvelle partie. Intro. Vous voyez, là, il y a publicité quand il y a le Emma en bas. La souris, c'est chez vous. Cliquez dans le décor pour vous déplacer à la souris. Vous pouvez également choisir de jouer à la manette. Est-ce que c'est mieux à la souris ou à la manette? Aucune idée. Parce que j'ai la manette de brancher, hein, si besoin, mais... On peut jouer en point and click aussi, hein. Label 3D, label rouge, label Zoa. Mieux clavier souris, eh bien espérons-le. Je clique. Tel un cliqueur de Diablo. Je sais pas si je peux mourir. Hop là. Non, ça a l'air d'être ok. J'ai l'impression que je ne peux pas me jeter volontairement dans le vide. Oh, vous savez qu'en ce moment, je l'ai dit sur X, sur Twitter. Mais je suis retombé dans les faites entrer l'accusé. Hein. Bon, alors j'avoue, je suis un puriste. Je regarde ceux de Ondelat pour l'instant, mais... hier, je me suis fait des petits bébés congelés, là. Voilà, phrase à ne pas sortir hors de son contexte. Mais incroyable, incroyable. Alors cliquez sur un élément pour interagir avec lui. Oui. Alors, attention, s'il vous plaît, un peu de concentration. Le journal enregistre tous les glyphes que vous découvrez. Pour l'afficher, cliquez sur le bouton journal. Mais c'est quoi le bouton journal du con? Ah oui, c'est en haut. S'il vous plaît, les insultes, ça va, hein. Vous pouvez aussi l'ouvrir en cliquant directement sur un texte. Très bien. Donc là, si j'appuie là, voilà, j'ai trois glyphes. Quand vous pensez avoir deviné le sens d'un glyphe, cliquez dessus pour consigner votre hypothèse. Bon, donc là, par exemple, je peux dire ça, évidemment. Et bon, ça, c'est un pense-bête pour moi, en vrai. Je mets un mot français. Et là, le problème, c'est que je pense pas du tout. Ah si ! Fermé, ouvert, porte. Ça, c'est porte. Non, c'est levier. Attendez, je vous demande de garder votre calme.
Ah, parce que... Ah, voilà. Non, mais je veux dire, ça peut être levier comme ça peut être porte. En tout cas, de toute évidence, en haut, ça... Ouvert. Ouvert, en bas, quand il est en bas, c'est fermé. Et ça, c'est ou bien porte ou levier. Je veux dire porte. Ah, ça peut être tiré. Bon, on va dire que c'est porte. Et alors, attention. Hein. Je regarde pas trop le chat pour pas le mettre en emote only au bout de deux frames. Parce que ça, c'est vraiment le jeu où le spoil peut rendre malade. Hein. En cas de besoin, utilisez le bouton du milieu pour dévoiler tous les éléments interactifs autour de vous. Un point blanc pulsant indique les éléments sur lesquels il reste quelque chose à voir ou faire. Voilà, si je laisse appuyer sur clic molette, je vois qu'il y a toutes ces merdes. Et là, attention. Ah, mais peut-être que plus que ouvert ou... Ça se trouve, c'était haut et bas. Ouvert, fermé. Voilà, ça reprend évidemment ce que je dis. Ça doit plutôt être au bas en vrai. Hein. On avait dit quoi ? Quoique ouvert, si, ouvert ça fonctionne aussi, parce que quand c'est ouvert, il y a la flotte qui tombe. Eh oui ! Donc on a dit quoi ? 1, 2, 1. Ah, c'est bon. Pas de panique. Vous allez faire un professionnel, bien sûr. 1, 2, 1. J'ai envie de dire, pour l'instant, c'est un speedrun. Hein. Glissez chaque glyphe dans l'emplacement qui semble lui correspondre. Si tous les glyphes d'une double page sont corrects, ils seront définitivement validés. Ah ! Eh, j'avais raison alors. Donc, fermé, ouvert, et la porte, on avait bon ! C'est un 100%. Donc, c'est marrant ce motif de... Bon, alors là, c'est peut-être le hasard qui fait qu'on en avait 3. À valider, mais ça rappelle bien entendu Obradine. Hein. Obradine, je vous rappelle que dans Obradine, il faut associer les morts avec la cause de leur mort et leur identité. Et quand on en a validé 3, eh ben, ça les rajoute pour de bon dans notre journal de bord. Plus vous traduirez de glyphes, mieux vous comprendrez vos interlocuteurs. Si vous n'avez pas encore compris le sens d'un glyphe ou si vous manquez d'emplacement dans le journal, continuez d'observer autour de vous. 3 premiers d'Obradine sont donnés aussi, c'est vrai. Oh, Obradine. Est-ce que j'ai assez oublié Obradine pour y rejouer? Peut-être. Quel chef-d'œuvre. Ok. Ambiance de fou. Le son. Alors évidemment, ce soir, on va y jouer une heure ou deux, je pense. Le jeu a l'air de durer assez longtemps quand même, parce qu'il faut se creuser la tête, donc on parle quand même de 12-15 heures, je pense, au moins. J'espère. Mais c'est ce qui avait l'air de ressortir. Évidemment, on va faire le début, mais peut-être pas le terminer d'une traite, ou en 2-3 sessions, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui voudront pas être spoilés et le faire de leur côté. Oui ? Bon, alors là, il faut comprendre. On ne sait pas ce qu'il dit. Là, il dit Nick, et là, il dit baisse ta mère. On ne sait pas ce qu'il dit. Bonjour. 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 attendez. On a un petit problème. Bonjour. Ah non, ok. Bonjour. Ah. Ouvrir porte. Ah. Alors, je crois que bonjour, c'est de la merde. Ah, quoi que si, il me disait deux choses.
Alors, tu veux que j'ouvre la porte? Oui, d'accord. Et là, il me dit, s'il te plaît? S'il te plaît? Ou bien connard? Moi, je vais mettre, s'il te plaît, connard. C'est un des deux. Ok. Bon, si je fais ça, hop, c'est quoi? C'est l'eau qui change. Oui, on ouvre le barrage, hein, tout simplement. Voilà, nickel. Ça va peut-être changer son dialogue. Oui. Hey. Ouvrir porte. Eh, mais c'est pas le même. C'est pas STP connard. Ah, alors attendez, intéressant. Merde, mais j'ai pas cliqué, fallait que je reclique. Toi, ouvrir porte, moi, ouvrir porte. Ok. Ah. SVP connard. Oui. Non, mais attends. Mais c'est quoi qu'il a fait juste avant? Ok, toi, ouvrir porte. Merde, mais attends, il a dit quoi avant? C'était ce signe-là, hein, je crois. Moi. Ok. It's fine. We got it. Ah, bonjour. Merde, mais attends, mais c'est bien ça, hein, c'est bien ce signe-là quand il a dit moi. Parce que j'ai pas cliqué tout de suite. Toi, ouvrir porte, moi. Oui, c'est bon. Enfin, j'imagine que s'il me les valide, c'est bon. Ah, mais ça, du coup... Fallait que je me débrouille mieux pour... Ah, je peux rejouer les dialogues. J'ouvre la porte. Attends, mais je peux pas passer. Je suis obligé de le regarder faire toute sa life là. Toi monter. Je me le note. Mais attends, mais. C'est quand là la première fois là son premier truc? Bonjour, toi. Toi, aider, ça me semble logique, c'est un aider. On va dire que c'est aider. OK. Non, toi me suivre, ça fonctionne pas, parce que le premier truc qui me dit, c'est pas de le suivre, parce que derrière il me dit toi ouvre la porte, donc ça, il peut pas me dire, il peut pas commencer par suis-moi, donc c'est aide-moi, je pense. Ok. Uh-huh. Toi ouvre la porte. Non, t'inquiète, on se connaît maintenant. Vas-y, un vrai bro. Oh. Moi monter. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas monter. Moi traverser. Ah, traverse. Mais non, parce que ça c'est au début. Non, ça c'est là. Moi traverser. Moi traverser. Ou bouger. Bon, traverser. Sûrement bouger en vrai. Toi, ferme la porte. Ok. Probablement bouger. Parce que bouger, c'est plus... C'est plus, comment dire, universel que traverser. Ouais.
toi, aidez-moi. Ah oui, je me suis dit, c'est peut-être aider. Mais c'est peut-être vrai. C'est toujours le cas. Parce que finalement, là, il me dit, toi, d'ouvrir, comme d'hab, de fermer, enfin, de faire un truc, quoi. Donc je l'aide, là. C'est factuel. De toute façon, le livre de fin vous donne des gros indices, quand même. J'ai un très gros indice. Vous donne des indices sur ce que le véritable sens des mots, vu qu'il y a des illustrations qui montrent. Oui. Mais c'est à chier. Ah oui, bah oui, parce que moi je suis passé, j'ai tout fait en me disant que ça allait. Ah mais si, mais c'est bon. Là, on a tout bloqué. Mais non, c'est de la bite en bois. Attendez. Let me vérifier. Oui, voilà, il n'y a plus rien. C'est fini ton pipeau. À partir du moment où on a bloqué là-bas, c'est gratuit. J'avais même pas besoin de faire ça, d'ailleurs. Quoi que si, comme ça, on se rejoint. Bon, bref, on s'en fout. Hein? Bon, mais s'il passe, voilà. Ah, pourquoi il y a encore de la flotte, du con? Pas de soucis. Ah, mais attends. Mais on peut lui parler de loin ou pas? Attends, mais pourquoi je fais ça? Je suis complètement un craquette, j'ai pas envie qu'il aille là, j'ai envie qu'il aille là, du con! Je vous demande de garder votre calme, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez vous exprimer, bien entendu, vous pouvez le faire via l'abonnement. Je vous rappelle que c'est September sur Twitch. C'est-à-dire que si vous vous réabonnez pour entre 9 et 17 mois... Vous avez normalement en UCT normalement vous obtenez 30% de réduction. Alors sur l'usufruit des subs précédemment, c'est le September sur Twitch. Non mais c'est vrai que c'est vrai que c'était plus facile à l'époque, parce qu'à l'époque la première fois qu'ils ont lancé le September, c'était juste tous les subs sont à moins 50%. Ça c'était facile à comprendre. Oui, alors voilà, toi aidez-moi. Non mais non. Attendez, mais pourquoi je vais pas là-bas? Mais je suis complètement con, espèce de crackhead! J'avais juste à... J'avais pas vu que je pouvais passer direct. Très bien. Comment ça? Ah oui, mais du coup, il faut que je le... Mais là, je vais être comme un con. Attendez. Non, c'est bon, oui, ça va se vider entièrement. Car le jeu est sublimement bien fait, regardez. Voilà. C'est bon. Oui, Didi, très vite. Je suis pas sûr que ce soit aidé. Mais comme dit, les dessins vont nous mettre sur la voie, c'est sûr. Alors, épaté ? Au revoir. Attends, mais pourquoi il est offert le au revoir? Il me l'offre comme ça le au revoir? Et pourquoi il se rajoute pas? Parce que j'ai plus de slot? Attends, c'est quoi ce sale bail?
Ah, c'est ça. Ah, en fait, c'est il est validé. Oui, c'est salutation. Ouais, ça marche pour bonjour, au revoir, quoi. C'est celui-là, hein. Oui, d'accord, ok. C'est le même que bonjour. Oh merde. Ah, un peu de musique. Oh non. Oh no. Oh no. Oui, alors. Comment ça? Mais. Ah oui, c'est là. Alors, il y en a un, c'est le soleil. Le soleil a rendez-vous avec mon huc. Le soleil illumine la terre. Oui, mais c'est pas clair. Dans quel ordre? On va avoir des infos. On va avoir des infos, vous inquiétez pas. Ah, voilà. Il faut pas que j'oublie de faire du clic molette. Ah non, mais... Non mais ça c'est... Donc là ils sont en train de prier. C'est Dieu ça? Ah, il y a le retour de LL. Dieu est le soleil. Merde, j'appuie sur le mauvais bouton à chaque fois. Appuyer sur échappe, c'est tentant. Attendez, on a... Choc barre de baiser. Lol lol. Il y a le LL encore. Les sbires. Ah mais c'est les puzzles. C'est les puzzles satisfaisants. Il faut les mettre dans les trous. Oh le bordel. Lol lol. Les lolos. Les roploplo. Les tchouch. Ok, calmez-vous. Très bien. Pas mal, Ibzaz, bien sûr. Alors. Qui c'est, lui? Ah, bah, c'est un des sbires avec une tête en forme de puzzle. Bonjour! Mais je peux lui dire quelque chose? Non, je peux pas lui répondre pour l'instant. Bonjour. Oui, j'ai pas l'impression que je puisse. Bon, ensuite, en vrai, je suis pas encore. Comment dire? Je pratique pas encore super bien la langue, quoi. Lolo! Lolo! Ah mais attends, mais ça c'est un mot? Ah non, c'est qu'il y a des nouvelles choses. Oh. Bah ça c'est les disciples. Les lolos. Non mais... Le truc c'est que... Est-ce que ça se lit de... Oui, ça se lit de gauche à droite. On le sait parce que l'autre me disait toi ouvre porte, machin. Donc les lolos c'est les sbires. Les lolos... Les humains, les disciples, les sbires ont gravi. Mais non, parce que ça, c'est Dieu, non? Les sbires ont rencontré Dieu en grimpant la tour. Oh, je tente des trucs. Dieu. Les lolos. Les humains. Les humains. Les disciples. Les sbires. Humains. Ah oui, mais c'est deux fois alors. Les humains. Pourquoi il y aurait deux fois? Les lolos. Pourquoi deux fois alors, si ce n'est pas qu'un seul mot? Des gens. Des gens et des gens. Les gens. Les gens. Je vous demande de vous calmer. Fermez la porte. Les gardes? Ah, mais non, parce que les lolos... Non, parce qu'on pourrait se dire, là, il y a deux gardes, donc en fait, quand il y a plusieurs personnes, on pourrait se dire qu'ils mettent deux fois le même signe. Sauf que ça fonctionne pas avec les lolos, parce que les lolos, ils étaient cinq.
Ou bien... Ah oui, ou bien ils sont teuteux. Ou bien dès qu'il y en a deux, ça veut dire qu'il y en a plus qu'un. C'est juste ça. C'est un groupuscule. Les gardes. Mais ça, est-ce que ça serait juste les personnes, les habitants, les disciples ? Deux gardes ferment la porte. Ouais, bah là, ils la ferment pas, du coup, ils la gardent. Mais d'accord, fermer peut... Fermer peut vouloir dire garde ? Ah, je peux plus l'éditer. Les deux gardes devant la porte fermée. Ah, peut-être que le placement des mots... Ah, merde. Ah non, c'est trop tôt, là. Ah, mais c'est l'œil de Sauron, en fait. Attends, pourquoi il y a... Ça, c'est moi ? Ouais, mais les lolos, c'est les têtes de puzzle. C'est les têtes de puzzle. Oui, il y a plusieurs lolos. Les disciples. Alors, on pourrait les appeler les crackheads. Bon. Ah oui, mais... Le problème, c'est que ça va pas trop fonctionner quand je dois valider le mot. Mais... Mais là, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on a affaire à des adorateurs, des adeptes, le peuple. Le peuple. Elle, c'est le peuple. C'est des personnes, des gens. Une personne. C'est des gens normaux. C'est pas des craqués. C'est pas les craquettes, c'est pas les disciples. Dieu vénéré. Ou Dieu protège. Dieu veille. Veillez. Dieu veille sur ses sbires. Parce qu'on avait dit que c'était de gauche à droite que ça se lisait. Quoique, oui, il y a le placement de l'adjectif éventuellement ou de... Ça se trouve, ils ne placent pas pareil leur COD. Parce que l'histoire des gardes qui gardent la porte fermée. Le placement était... Des personnes ? Mais là, c'est pas des personnes. Si, c'est des personnes. Des personnes. Le soleil ? Ah non, mais oui, non, mais il y a plusieurs trucs. Ah, alors oui. Du coup, il y en a plusieurs. Ah là, ça n'a aucun sens. Les rayons du soleil. Mais il y a des arbres aussi. On s'en fout des arbres ? Non mais ça, du coup, mais ça, c'est même pas des personnes, c'est juste des rochers. Et si c'était les rayons ? Les rayons. Un rayon, non. Rayons. Les rayons du soleil. J'oublierai jamais ce mois de juillet. Oh, gueules. Ah, okay. Ok, ok. On y est presque, on y est presque. Le garde. Non, pas le crackhead. Attendez, non, ça c'est les disciples, les adeptes. Lui, c'est un disciple. Ça, c'est Dieu. Non, mais c'est pas Dieu, j'ai fumé du crack. Le garde. Mais ça, c'est quoi ? Les gens ? C'est un Jean-Jean ? Une personne ? Ah voilà, ok, donc j'ai eu peur. En fait, c'est pas mal. C'est-à-dire que si le jeu a quand même pris en compte tout ce qui s'assemble autour du mot, donc les synonymes, les choses un peu de la même famille, de la même appartenance, donc mon garde est validé pour guerrier, mon personne est validé pour homme slash humain, et mon disciple est validé pour dévot. Ok.
Nice. We did it. Le champ lexical, n'est-ce pas? Tu peux écrire ce que tu veux. Ah, je peux mettre crackhead. Si j'avais mis crackhead, mais que je l'avais mis dans la bonne case, il me l'aurait validé. Ah, en fait, non. Peut-être que j'extrapole le truc, alors. Oui, voilà. J'aurais pu mettre crackhead et connard, et c'est, tant que je l'avais mis, il me le validait. Oui, bah oui, bien sûr. Je me disais quand même, c'était un peu... Attends, je peux interagir avec lui. D'abord, bonjour. Mmh. Oh non. Toi... Alors, bouger, c'est ce que je me suis dit. Toi, va vers la porte. Toi, on ne sait pas, va vers la porte. Les guerriers ont fermé la porte. Donc oui, c'est bien ça. Répétition du signe, c'est qu'il y en a plusieurs. Les guerriers ont fermé la porte. Ah, mais c'est comme le vietnamien. Il n'y a pas de conjugaison des verbes. C'est simple, c'est du placement. Ok. Oh mon dieu. Oui ? Hein ? Mais j'ai pas regardé ! Mais quoi ? Mais il va te faire foutre ! Ok, il a gagné parce que moi j'ai joué le garde et lui il a joué Dieu. Dieu est supérieur au guerrier. Je reprends, je joue toujours la même carte. Le sbire. Il gagne parce que le guerrier est plus fort que le sbire. Le dévot, ah ça c'est intéressant. Ok, donc Dieu, guerrier, dévot, disciple. Mais le problème c'est que c'est du pif total. Enfin c'est bien de le savoir, hein. Je dis pas le contraire, mais je prends toujours à 3. Mais non, mais ça c'est la plus faible, c'est la carte la plus faible du jeu, bordel de merde. Ah, pas mal. Mais non, mais il me sort Dieu ! C'est rigged ! Oh là là, c'est rigged ! Et c'est en BO5. Bah, le problème, c'est que je vais pas avoir envie de quitter cet écran sans l'avoir battu, ce connard. Ah oui, j'allais oublier. Oublie pas de faire... Quoi ? Ah mais là je peux aller partout là. Et voilà, j'oublie de faire clic molette pour voir les endroits où je peux aller. Ça y est, le jeu s'ouvre. OMG. Ok, allons là. Oh non. Ok, tirez. La tour. Les boules. Toi, aidez-moi. Rayon de soleil. Non mais ça c'était de la merde. Ça vraiment c'était de la merde ce que j'ai fait. Moi, rayon de soleil. Et ferme ta gueule. Ah pardon, excusez-moi. Alors oui. Très bien. Ah, j'ai cliqué sur la porte. Ah oui, mais c'est là où je suis présentement. Bon, ok. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour nous, ça. Voyons voir ce qui se passe ici. Montons. Ah, descendons, en l'occurrence. Ah. Une grande demeure. Ah, je peux regarder ce signe-là. Ah ah. Nouveau signe. Ah, alors ça c'est intéressant, du coup c'est la nature du bâtiment, c'est probable. Ah, un chat ? Ah mais non, mais ils vont pas m'apprendre le mot chat, faudrait que quelqu'un... Oh ! Il fait du ronron ! Oui, you can pet the cat. Bon, je vais sonner. Pancho ! Ok.
D'accord. C'est un club échangiste. Ok. C'est un club échangiste. Et là, il se passe quoi? Oh. Ah, c'est l'image que j'ai postée pour le Go Live. Toi, venir avec moi, toi me suivre. Ah mais je l'ai déjà ce signe. Ok. Vas-y. Ouais, c'est sûrement ça. Oh, petite musique d'action. Mais il est parti où du coup? Ah. Toi? Suivre, c'est bon. Il m'a dit son truc et puis il s'est faufilé comme ça, comme un con. Toi, faire comme moi? Toi, imiter moi? Peut-être, hein. Désolé, je regarde pas trop le chat parce que j'imagine que ça backseat toutes les deux frames. Je comprends, hein, je ferais pareil. Hein. Ambiance. Ah. Ah non, tu m'as trouvé, bien sûr. Toi, tu m'as trouvé. Ok. Bien entendu. Donc, on joue à cache-cache avec... non, mais on a que ça à foutre en même temps, oui. Il a dû aller au jeu de la porte, là. Le jeu des crackheads. Ah, peut-être qu'il est parti au club échangiste. Ah, est-ce qu'il est encore dans cet écran de jeu ou est-ce qu'il va falloir que je passe les gardes? Ah, on l'entend. On l'a entendu rigoler. On l'a entendu glousser, il est où? Vous entendez, hein? Ah, ou bien non, c'est juste les bruits du club échangiste? Ça s'éclate bien dans le club échangiste, Inda Club? Bon, bah finalement, c'est retour à la case départ. On va le retrouver là où on l'a rencontré. Non. Attends, mais je peux descendre cet escalier? Oh, je vais péter un câble! D'accord. Tu m'as trouvé! Non, mais ça suffit. Ah, oula! Oh là là, oh là là, il y a trop d'infos! Moi... On l'a déjà vu, le Y. Moi, je vais au club échangiste. Ok. Ok, très bien. Un peu jeune peut-être pour aller au club échangiste, mais soit. Alors, moi j'ai envie de dire qu'on s'est beaucoup amusé. Mais est-ce que c'est le Y s'amuser ou est-ce que c'est l'autre?
moi. Ou bien j'ai moi envie de baiser, moi les clubs échangistes. Non mais si je mets que de la merde, le problème c'est que si je mets que de la merde, ça va être dur de s'y retrouver. Enfin, donc moi envie de baiser, moi les clubs échangistes, salut. Ok, ok, non mais ça se tient, il y a une logique, il y a une logique derrière ce dialogue. Ok. Ah ! Passage secret, hein ? Ah non, 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 mais demandez pas n'importe quoi ! Ah mais attendez, mais il y a caché du coup ? Ah, j'aime bien me cacher ! Allez. Le béchangiste. Non mais... Allez. Tu m'as trouvé. Parce que moi, c'est, moi j'aime bien me cacher. Ah mais là je peux le faire en mode dégueulasse. Je suis assez convaincu d'avoir... Ah mais non mais trop... Oui non ça, je suis assez... Je pense que je suis bon sur les deux là. Mais cacher, c'est veiller. Non veiller je l'ai eu sur un tableau donc ça n'a rien à voir. Les rayons, le soleil, la tour. Ça serait celui-là ? Oui, c'est ça. Le suivre. Là où j'ai cru qu'il me disait, toi, me suivre. Il me disait, toi, je vais me cacher. Ouais, ok. Bah, du coup, je m'occupe toujours pas des gardes et nous allons vers le club échangiste. Dévot. Ah ok, les dévots. Dévot. Ah mais le Y, je l'ai toujours pas. Non, c'est pas envie de baiser. C'est pas envie. Dévot. Ah si, peut-être. Dévot, envie de trouver ou de capturer. Dévot, envie de capturer toi et moi. Toi, moi. Aller slash passer, tour. Ah, peut-être que j'avais raison sur mon tour. Faut qu'on aille à la tour pour s'en sortir. Peut-être. Et comment je me cache comme... Il va prendre la pioche. What the fuck. Oh, les strates de fou. Oh là là! You mean Metal Gear. Certaines zones doivent être traversées discrètement. Survoler une cachette jusqu'à faire apparaître une silhouette, puis cliquez-vous pour vous y rendre. On va faire comme lui, hein. Ils sont précis, hein. Attends, mais il avait réutilisé du sable ? Pas du tout. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Oh putain. Pourquoi ? Attends, pourquoi ? Pourquoi il met deux fois moi ? Nous ! Ok, nous. Nous avons envie d'aller à la tour. Nous devons. À devoir peut-être. Et les gardes avant doivent nous capturer. Nous devons aller à la tour. Pourquoi pas, hein. Nous devons aller à la tour.
Le dévot a fermé la porte. Nous... Hein ? Ah oui. Nous... Ah, ça, c'est officiel, je l'ai eu. Nous voulons, nous cherchons... Ah, est-ce qu'on cherche quelque chose ? Nous voulons aller vite, nous voulons... L'ouvrir ! Mais non, mais ouvrir, je l'ai depuis le début. Mais il ressemble un peu, hein. La débloquer. Ah, la crocheter, peut-être ? Bon, on verra bien. Une clef. Nous voulons la clé ! Du con ! Toi, tu as trouvé la clé, la clef. Tu as trouvé la clef. Toi et moi, on va baiser. Ok, non. Non, déjà, parce que tu as l'air mineur et je suis streamer, avant tout. Ah non, ça fonctionne pas. Ok, bon. Bon bah je sais pas du coup. Donc non, baiser ça ne fonctionne pas. Hein. Tu as trouvé la clé, toi et moi. Alors non, on va pas baiser, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Certains éléments du décor peuvent être associés avec... Oui, d'accord. Parce que toi et moi, on a gagné. Toi et moi, on va fuir. Merde, c'est ça ? Je pourrais regarder le... C'est le Y qui m'a mis ? Non, bah non, c'est baiser. C'est baiser. Toi et moi... Attends, tout à l'heure, j'ai envie de baiser. C'est comme ça que j'avais traduit sa merde. Sauf que... Envie, finalement... C'était pas envie, et on l'avait changé. Au secours. Ah, on a dit que envie devient devoir. Partir. Oui. Oui. D'accord. Je regarde pas le chat, hein. Je sais que c'est ingérable. Et j'ai pas envie de vous mettre tous en emote only, donc... Désolé, hein. On perd de l'interactivité, une fois de plus. Ouh là là ! Salut ! Ah oui, non mais c'est bon, eux, ils veulent pas nous choper ? Ah bah, on a plein de dévots tête de puzzle, là. Monter ? Nous arrêter, capturer. Ah ben non, parce que ça fonctionne avec partir. Clé. Ah, peut-être que depuis le début, la tour s'est montée. Club échangiste. Mais non, mais je suis un crackhead. J'ai mis un partir quelque part, non ? Ah non, j'ai changé mon partir en montée. Pourquoi j'ai encore ça ? Et c'est parti pour le pif. Ah merde. La tour, c'était montée finalement. Un club échangiste. Peut-être que c'est la prison. Bon, admettons.
Admettons qu'on soit bloqué un petit moment, c'est pas très grave. On a encore plein d'endroits à voir et... on va se mettre bien. Oh là là, mais c'est infini là. D'autant plus que je peux aller en bas. Bon bah, on va dans des endroits au pif. Hein. Bonjour. Oh putain, il est... Oh là là, hé, mollo ! Ah, ah. Deux veaux. Oh non. Oh, oh là. Devoir. Ah, je dois arroser les plantes. Non, c'est pas je. Et puis devoir, on n'est pas sûr. Moi. Devoir. Devoir a l'air de fonctionner quand même. Moi, devoir trouver un arrosoir, de l'eau. Rayon, les rayons de soleil. Non, c'est pas rayon de soleil, hein, c'est des conneries. La lumière. Mais non, mais il n'y en aura pas deux. Est-ce que ça, c'est vraiment le soleil? Et si ça, c'était l'eau? En plus, ça a un peu une gueule d'arrosoir qui verse de la flotte. Enfin, voilà, si on est très bourré, quoi. Merde. Au devoir. Ah bah non, mais... Au devoir plante. Au... Moi, verser? Au verser sur les plantes. Non. Non, c'est pas de l'eau. Je vous demande de vous arrêter déjà. Mais c'est le Delbor. C'est le Delbor chez Watt. Oh. Ah, il faut une clé pour entrer ici. Être curieux. Ça se valide auto une fois les bons termes trouvés, oui. Heureusement. Enfin, c'est le même principe que Obradine, ouais. Trouver trois guesses. Enfin, quoi qu'on ait eu quatre sur lui. Dieu, toi, moi. Toi plus moi. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Dieu nous protège. Plutôt, Dieu nous protège. Oui, les mains, les deux mains comme ça, ça fait plus... Ou Dieu nous porte. On aurait tendance à dire que c'est plus protection, ouais. Fait terme religieux en plus. Dieu nous protège. Ok, admettons. Mais c'est infini! Bonjour. Ah. Moi, protégé. Je vais canner. Peut-être pas protégé. Moi j'écoute. Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Et lui il écoute la musique. Hey. J'ai envie de le tenter. J'écoute la musique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tilali, lali, lala. Chose fantastique. Tilali, lali. J'aime la musique. Lali, lali, est-ce que Kim Kay est en train de nous backseat? Je prends le métro. Attendez. Mais oui. Tilali, la 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 la. Lilali, lali, 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 la la. Dieu nous aime, classique. Et
Tilali, lali, lala, j'aime la musique. Ça a plus de sens, peut-être, que nous écoute. Parce que le fait qu'il y ait les mains protectrices autour du peuple, ça fait pas trop écouter, quoi. Que se passe-t-il ? Toi, aidez-moi. À aider, ça se tient, du coup. On va faire un mendiant, non ? Ah bah oui, il est la bonne vinasse, là, la bonne villageoise. Sorry, I don't have any villageois. I only drink the diet Pepsi, you know. The Mountain Dew, the Doritos, you know Jeff Kelly. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les éléments de certains appareils ou mécanismes peuvent être manipulés. Survoler un élément, puis maintenir le clic gauche enfoncé pour le saisir, déplacer l'élément jusqu'à la position désirée, puis relâcher. J'en ai aucune idée. Ah mais si, attendez, c'est par rapport au jeu de cartes de merde. Ok. Dieu bat le guerrier qui bat le dévot qui bat l'humain. Oui, Didi, très vite. Ok. Dieu, devoir... Soleil, c'est ce que j'ai dit. Mais attends, mais non, là, parce que la mort. Ah, ensuite, s'il y a une certaine logique, parce que des fois, il y a une certaine logique, on dirait, derrière les glyphes. Là, ça fait un petit peu gars dans son cercueil, quoi. Le gars est dead, quoi. Et du coup, j'ai ouvert ça. Oh là là, mais je suis perdu, là. J'ai ouvert tellement d'endroits. Qu'est-ce que je fous, là? Ambiance inquiétante. Oh, bah, potentiellement plein de mots, hein. Ils gardent des chambres, chacun. Moi, je veux veiller sur Dieu. Alors, moi, veiller sur l'eau. Ah oui, c'est ce que j'ai supposé, que le dernier signe, c'était l'eau, parce qu'il y avait l'eau de con avec ses plantes mortes. Moi, vouloir trouver, rejoindre. Mais ça n'aurait aucun sens, parce que là, déjà, en deuxième, on a cherché slash vouloir, donc prier en troisième. Je veux trouver Dieu. Moi, je veux trouver Dieu. Ça a du sens. Mais attends, mais trouver, je l'ai pas déjà eu? Si, je l'ai déjà eu. Dedge. Je veux... Je pense qu'il n'y a aucun rapport avec le club échangiste. Oh. Nous. Ah mais il y a le même truc de les deux mêmes signes, machin de l'eau là. Enfin les. Nous. Trouver. Alors. Non mais l'eau n'a pas de sens. Mais du coup c'est pas le dieu. Dieu on l'a déjà. Nous. Ce signe, ça fait plein de fois qu'on le voit. Il va falloir un petit peu retourner dans le passé. Et le Y, on l'a vu 1000 fois. Mais ça se tient. Nous devons trouver le club échangiste. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est ce que j'ai décidé. J'ai mis que c'était de l'eau, mais... C'est marrant, c'est à certains endroits. Ah, c'est sur les endroits, sur les murs, ouais, des trucs comme ça, on peut... Mais alors, attends, c'est qui, ça? Parce que ça, c'est pas Dieu, c'est pas le dévot. C'est le Jesus. C'est le bro. Le prophète.
prophète, l'apôtre. Les morts. Les plantes. Les plantes, il m'en a parlé. J'ai, comme un con, j'ai hésité à le mettre. Les plantes, c'est ça, je pense. Ah non, parce que c'était le premier truc qui m'avait parlé. Je pense que j'ai bon sur... Le prophète, les morts. C'est plantes que je dois trouver. On a dit musique, c'est certainement pas plantes, ça. Aimer, ça se tient. Ça, je pensais que c'était plante parce que c'était, il m'avait donné ce signe-là quand j'avais rencontré l'autre con devant. Clé, c'est sûr. Attends, c'est pas ça. Oh, le pétage de plomb! C'est la vie, c'est la plante? Mais c'est ça, on l'a eu depuis le début! Et si, c'est ça. Le prêcheur. Oui, parce que du coup, oui, d'accord, l'eau donc a tué les plantes. Donc on doit avoir le tué sur une des premières fresques aussi. Moi, je veux veiller sur Dieu. Je veux prêcheur. Trouver, parler, tout simplement. Je veux parler à Dieu, je veux parler au prêcheur. Ah, en plus... Moi, je veux parler au prêcheur. Nous voulons parler ou prier. Oui, ça dépend de... Nous devons trouver le prêcheur. Merde. Peu importe. Selon le contexte, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe? On m'embrouille? Mais il sort d'où? Vous sortez d'où? Ah, il sort de là-bas. Ah merde, j'avais moyen de me mettre... Oui, fais-le! Et fais-le du con! Mais putain, mais du con! J'ai appuyé sur le truc et... Ah, ils font le tour. Non. Ça va passer sans costume? Ah bah, je vais à droite, du coup. Ça... Ah, mais il y a aussi des trucs là. L'homme ouvre la porte. Non mais il faut que je mette un truc en plus, c'est-à-dire il faut que j'ai un objet en plus, il y a ça, ou il faut juste que je résoudre le club échangiste. Dieu ouvre le club échangiste. Ouais, c'est nouveau ça. Nous voulons trouver... Ça, je sais pas ce que c'est encore. C'est des dévots ici. Le dévot trouve Dieu. On laissons ça pour l'instant. Ah merde. Ah oui, mais. Attends, mais je suis grillé là. Oh, les relous. Toi. Prêcheur, moi. Capturé. Chercher, vouloir parler. Ça, je le connais pas, celui-là. Oh, le cauchemar. Ah oui, c'est clic droit pour sortir du menu. Tiens, je faisais échappe comme un bolos. On a presque tout l'alphabet, hein. Enfin, tout le... Oui. J'ai appuyé du con. Ah, mais il y a pareil là-bas. Oh, le cochet. Ah!
Non mais c'est la Hesse là, je peux... Ah oui, à chaque fois ils sont sympas, ils te remettent la possibilité de tricher. Ils te remettent dans la boucle, la séquence. Ok. Eh ben j'en ai des trucs à découvrir, hein. Mais foutez-moi la... Fait combien de temps qu'on joue? Une heure. Ah, j'ai envie. Évitons de faire deux heures pour une fois. Enfin, je vais continuer, mais on va essayer d'éviter que la première VOD soit interminable. On a déjà vu le principe du jeu, et c'est très très cool. Des bisous YouTube, hommage. Trop bien. Ce jeu sera terminé, hein, comme l'intégrité des jeux. Non, mais ce jeu-là, il est bien, parce que pourquoi? On est émerveillé, il se passe des choses, ça va durer 10 heures, c'est pas comme les Starfield, les Baldur's Gate, les FF16, là, ça casse les couilles, c'est trop long. Hein. Hommage.